Salut les gens, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc écoutez bien. D'abord, j'ai une information que je vous avais dit, j'ai acheté du masking tape et non pas face, comme je me suis trompée dans la vidéo, désolée mais je connaissais pas trop. Voilà, donc j'ai un petit peu tout ça, mais je vais vous les présenter. J'ai du rose fluo pour toutes les fabrications qui seront au fluo. J'ai du rose clair pour toutes les fabrications normales. J'ai du vert à motif, voilà, et du bleu, gris et blanc en trait, voilà. Donc je suis trop contente d'avoir ces 4 masking tape, parce que maintenant je vais pouvoir faire des petites réalisations avec, du coup c'est cool. Voilà, deuxième chose, je vais vous présenter un DIY, pas dans cette vidéo, mais plus tard. Ça sera fabrication de pompons, un petit peu comme ça, mais lui il est tout ébouriffé, mais bon tant pis, parce que je l'ai fait il y a quelques jours. Donc vous allez dire, mais ouais, mais un pompon c'est trop facile à faire et tout, mais bon, comme je connais pas beaucoup de DIY, j'allais commencer par celui-là, et comme ça, dès que j'aurai l'idée d'autres, je vous les ferai, petit à petit. Voilà, mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une sortie à la Cité de l'Espace. Bon, c'était bien, mais c'est juste que moi j'y suis allée au moins 10 fois en CM2, plus une fois au début de cette année. Enfin, l'année dernière. Au début de cette année scolaire, quoi. Voilà. Et du coup, c'est un peu chiant quand on fait que y aller, mais bon, ça va. Donc j'y suis allée aujourd'hui, on est allé au planétarium. Le planétarium, c'est pas comme un cinéma qu'on a en face, c'est tout autour de vous. C'est comme une... C'est comme une 3 fois de télé, enfin... Je m'explique pas mal, mais bon, bref. On est sur des sièges un petit peu allongés, et comme ça, on regarde tout autour de nous, et il y a un film. Voilà. Ça s'appelait Destination Planète, et ça parlait des planètes. Ben, c'est normal, on est à la Cité de l'Espace. Ensuite, on a fait une activité, c'était par groupe. Donc, j'ai fait un groupe avec une autre fille, et on a vu que dans l'eau, il y avait des trucs qui faisait que ça enlève le dioxygène dans l'eau. Je sais pas si vous comprenez. Bon bref, on a fait une activité en gros. Voilà. Après, je suis allée à mon cours de danse parce que j'ai danse tous les mercredis, je fais modern jazz. Voilà. Petite dédicace si jamais il y a une fille de mon groupe qui me regarde. Voilà. Ensuite, que dire de plus ? Ben voilà, c'est tout. Donc c'était une petite annonce de DIY. Et voilà. Aussi je voulais sortir le Jelly Belly Tag, sauf qu'il y a eu un gros problème, et du coup finalement il n'a pas pu sortir. Donc je sais pas si je le referai, parce que c'est quand même assez dégueu des Jelly Belly. Par contre, je vais bientôt sortir une vidéo qui s'appelle Quand tu regardes. Et ça parle de quand on regarde, etc. Quand on regarde des films tristes, des films à l'eau de rose, etc. Bon, il y a quelques scènes qui sont un petit peu ratées, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Et au fait, pour la vidéo Quand tu regardes, quand vous la regarderez, la chambre autour, le décor, est un petit peu en bordel. C'est normal, on a tout mis exprès en bordel pour faire genre on avait fait les folles avant. Sauf qu'on venait juste de commencer à soirée pyjama, donc voilà, on avait fait un décor un petit peu exprès. Aussi, par rapport au poster qui est là, c'est normal. Et celui-là, c'est M. Pokora. Ce n'est pas que ce sont des chanteurs que j'adore. Hein. Déjà, lui, c'est pas un chanteur. M. Pokora, bon, je l'aime pas trop. Mais c'est juste que je vais les enlever bientôt. C'est juste que là, j'ai pas trop eu le temps entre les cours et les devoirs et tout. Et que j'aimerais faire une décoration spéciale pour ma chaîne. Du coup, voilà, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc, j'espère que celle-ci vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Et surtout à commenter pour que je puisse répondre à vos questions dans une... Je sais plus comment on appelle ça. Bon, en gros, je répondrai à vos questions si jamais vous en posez. Voilà.
Et au bout, je le répète encore, mais je crois que j'ai déjà dit, je crois que j'ai déjà dit, mais au bout de 50 abonnés, je mettrai mon compte Snapchat, même au bout de 20 abonnés, je sais pas. Pour comme ça, au bout ou de 50 ou de 100, au bout de 20 abonnés, je mettrai mon compte Snapchat en barre d'infos, et au bout de 50, je ferai une FAQ Snapchat. Voilà. Bon, bah maintenant vous savez tout. À plus pour une prochaine vidéo alors. Thank you.